Est-ce que tu entends la même chose? Mais ça a dégénéré. Pardon, j'ai mal entendu. Tu disais? Ça a dégénéré. Dégénéré. Je déteste quand les choses dégénèrent. Oh, vous aviez un truc à faire, mais même ça, c'est trop demandé. C'était une opération toute simple. Mais donne à bouffer aux singes, et ils se jetteront leur merde à la gueule. Oh, tu veux bien me tenir ça? Une petite seconde, je voudrais faire une petite photo. On regarde bien l'objectif, et voilà. Génial. T'inquiète de rien, mon bonhomme. Ce sera bientôt oublié. Et nous allons vivre une très grande aventure. Parce que j'ai... dégagez mon agenda. Toi, moi, on va tout déchirer. Et oui, comme vous avez vu, on se retrouve sur Far Cry 4 sur Xbox One. Ça fait un moment que je l'ai, mais je l'ai pas encore déballé, donc je viens de le déballer. Donc c'est pour ça que je profite de faire cette vidéo là. J'ai pas parlé au début pour vous laisser la petite cinématique, de toute façon je pouvais pas changer de chaîne, passer la vidéo. Donc du coup voilà. J'espère que ça va vous plaire. Je m'attendais à plus de chaînes de râle. Vu qu'on peut rien faire, je dis plus rien. Je sais
sais parfaitement que tu as une pièce obscure où les secrets coulent comme le sang. Ah, ce sourire narquois te trahit encore de pleurs. Eh bien, retire-lui ce putain de sac de la tête. Vraiment, je suis navré pour ce qui s'est passé tout à l'heure, tu vois. C'est plus ça que j'imaginais. Bien, allons, présentons-nous. AJ Gale, notre invité d'honneur. Paul, notre hôte bien-aimé. Le petit macaque, dont le nom m'échappe toujours. Et moi, bien sûr, Paganine. Tu ne te souviens pas de moi, alors? Ta mère, elle ne te parlait jamais de moi, même en passant. Bon, on changera ça. Paul, j'ai besoin de cash. Combien il faut? Tout ce que t'as. Merci. Ah, voilà. Très bien. Et comme ça, en souriant. C'est vous? C'est moi. Je commence parfois à en douter. Quant à ta mère est de son côté. Elle me comprenait. Elle me connaissait mieux que personne ne le fera jamais. Je n'ai pas revu Ishwari depuis plus de 10 ans. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Les femmes savent faire ça. Elles peuvent te dire qu'elles t'aiment sur le moment, et c'est sincère, mais les hommes ne font pas ça, non? Non, les hommes ne peuvent t'aimer qu'avec du recul. C'est un peu long, un peu le chargement. Donc, quand ta mère a décidé de fuir aux États-Unis en t'emmenant avec elle, oh, je m'en suis amèrement mordu les doigts. Et j'ai ouvert les yeux. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il veut tuer, non? Non. C'est ce putain de sentier. C'est putain de... Je me doutais. Dégueulasse tout. Même à table. On ne t'a jamais dit de ne pas téléphoner pendant le dîner? Voyons ça. Bah là, il peut pas téléphoner, il peut plus. Alors les gars, on fouille même plus les invités. Ah, je suis avec AJ Gale. La suite est mieux. C'est un malin le mec quand même, hein, j'ai envie de dire, mais... Un SMS. J'ai envie de dire, c'est quand même un malin. On n'écrit pas à l'aide, il faut le crier. Allez tiens, on va essayer ensemble. Si tu dois faire quelque chose, fais-le bien, c'est parti. Allez, crie à l'aide. Crie à l'aide. À l'aide. Oh, Céline. Non, crie à l'aide. Je veux de l'intention. À l'aide. Viens du diaphragme. À l'aide. Et oui, il va le pousser ou pas? Rien. Je crois que tes amis viendront pas t'aider. Un petit soleil assis, ça sert pas mal, non? Fais-lui dire ce qu'il sait. Ah non, je croyais qu'ils allaient le pousser. Hein? C'est pas drôle, hein. Bon. Allez, ne bouge pas, mange tes raviolis au crabe. Reste là, je reviens tout de suite. Yuma, il faut... Oh bah tant mieux, casse-toi. J'ai envie de commencer, moi, c'est long un peu. Ça fait pratiquement 10 heures, c'est comme ça. C'est la prison, ça fait 10 heures. Ah, c'est bon, maintenant on peut se déplacer. Il faut explorer. Déjà, j'aime pas la vue comme ça. Bref. Et si on revient, donc à un moment, il faut aller en bas. Il y a des trucs, ça brille. Hop là, on descend. On redescend. Putain, il y a... Putain, mais qu'est-ce que... C'est du torture. Je sais aussi, j'avais vu un truc briller là-haut, mais je suis pas sûr. Oh, c'est dommage, le coffre, il s'ouvre pas entièrement. Ah, il fallait en bas encore. Ok. Non, descend. Il va m'arriver une couille. Oh merde, plus de mal. Allez, on reprend depuis le début parce que je veux être sûr que tu comprends bien ce que j'attends de toi. J'ai vu de Kim Boy comme ça, on sait jamais. Ouais, J. Gale. Moi, c'est Sabal. Peur. Je suis du Sentier d'Or. Le Sentier d'Or? Voilà. Des alliés.
Je connaissais ton père. Enchanté. On est venu te sauver, fils de Mohan. Et pour Darpan? C'est toi notre priorité. Faut qu'on arrive à te faire sortir d'ici, quel que soit le prix. Darpan comprendrait. Allez, un mec, avec en moi. Même temps, il s'en fout du mec. Donc, dis-moi juste où sont... Ça peut se comprendre. Mais on peut rien faire. On est repéré. La porte, vite. Je vois ça. Vous avez dû passer une arme quand même, les gars. Je veux que tu gardes la tête baissée et que tu fonces vers le camion. Cours aussi vite que tu peux. C'est compris? Oui, oui. Et si je peux courir? 1, 2, 3, 6 mois. J'ai cru que c'était fait tirer dessus. Okay. C'est parti. Oh, je pars plus vite, Oh, c'est con, on peut sauter des jeux. Le mec, il veut éviter une bombe. Ramène-le au lieu sûr. Vas-y, je te couvre. Putain. Bon. Ah, ils envoient directement les éléphants là-dedans. Je croyais pas comme ça le jeu. Qu'est-ce que... Il y a une arme sous le tableau de bord. Voilà. Ok, je me suis fait un peu foiré. Oui, pour tirer, pour. Sur ta droite. Ma droite, ah oui, là. Attention. Allez, mec, tu tires dessus, mais c'est du mal à voir. Un peu mal fait le pied un peu sur le tableau bleu beurre. Blablabla. Et c'est du mal. Je crois vous même. Ah ça fait longtemps que j'ai pas joué à Far Cry et j'ai joué le 1 si je me trompe pas, c'était le tout premier sur PS3 je crois. Et 3-6. Et j'avais pas trop accroché. Et là en fait, bah, j'ai le 4 et j'ai le nouveau aussi. J'ai jamais testé le 4. Ah bah lui il s'est trouvé écrasé, c'est normal. Allô? On se prend en arme en plus. J'ai chier une merde. C'est ta balle. Où tu es? J'en sais rien. Putain. C'est ça j'allais dire, mais il m'a répondu à ma place, donc okay. Non, je sais pas. Écoute-moi bien. Cherche autour de toi. Tu devrais voir une tour dans les environs. Je veux que tu ailles jusque là. Déjà j'ai une petite hache, une machette. Je vais vers la tour. Ok. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu peux le faire, Edge. La voiture qui s'est écrasée. Alors je veux savoir comment il s'est fait écraser et qu'il s'est retrouvé en sous l'arbre. Et on fait comment pour taper ça? Ok, déjà on faut aller là-bas. Bon, il faut aller là-bas à pied. Ok. Les batailles, du coup. Non, je suis pas planqué. Déjà, je peux pas m'allonger, c'est sûr qu'il est chiant. Putain, il en reste encore un là. Oui, on peut lancer des cailloux, mais on peut pas le toucher dans la gueule. Ah, on peut le cacher dans l'eau, c'est cool ça. Oh non, mais ouais, mais ça commence déjà bien. Je vais un peu trop vite, je pense. C'est moi dans ma splendeur. J'ai toujours été comme ça dans un jeu, donc ça change rien. C'est pas des trucs à faire. C'est pas comme ça, ça va nous aider. Mais déjà, c'est con, on peut pas... C'est ta mère. Attends, c'était marqué quoi?
Il peut pas aller flotter lui. Va flotter. Voilà. Bon, j'ai alerté les autres, je sais rien. Yo, il est sérieux lui. C'est comme ça qu'ils sont nés. Ok. Et je viens me soigner encore. Ah oui, non, mais d'accord, c'est normal. Pour me soigner, il faut que j'enlève les trous. En gros, c'est j'ai un trou, une balle dans la jambe. Faut que je fasse un trou pour me soigner. Bref, on verra bien par la suite. Comment ça va se passer quand on a un trou dans la jambe. Déjà, il y a une croix là sur la map, c'est-à-dire que voilà, il y a un animal mort. Et on peut les. Mec, il veut taper. Bien sûr, c'est un jeu déconseillé à moins de 18 ans. Je repense à la petite image qu'on vient de voir, bien sûr. Il y a un con, je lance un cul. Ouais. N'oubliez pas, c'est un, voilà, c'est un jeu moins déconseillé au moins de 18 ans. Comme dans tous les jeux. Ah ouais, merde, j'ai pas vu, ils sont pas là. Retourne-toi, putain. Déclinez votre identité. C'est ta mère. C'est pas chaud. Ah, puis il y a un à gauche, merde, j'ai vu. Encore un animal meurt, je pense, dans le coin. Sur la croix, c'est marqué. Ouais, bah, c'est là où, demain. Ok. Vas-y, on va pas les fouiller tous. Hop, là, on est quoi? On y va. Encore 400 mètres à faire. Un bon 400 mètres. On arrive à un camp. Avec un drapeau. Alors. Faire gaffe, il y a des choses. Recharger. Voilà, j'ai plus le couteau. Bon, je sais pas comment on fait pour changer les armes. Là-bas, il y a un mec, c'est sûr. Je regarde sur la map avant. Il y a personne de ce côté-là. C'est là, il y a du monde. Là-bas, il y a du monde déjà. Appuyez sur pour changer la caméra. Merde, attendez. Déjà, ils ont un puma ou je sais pas et des merdes, des gardes. Ok, c'est bon, range-moi ça. Il y a un garde là. Eh merde, il bah, il est machine. Ah putain, j'ai plus de grenade. J'aurais pas besoin de. Ah, c'est ça. C'est chiant en fait, tu te fais trop vite repérer. Désolé, j'ai pas joué. Oh putain, j'ai pas dû détruire la caisse. C'est bon, ils sont attaqués. Ah, par contre, je le détruis. Non, je jure. Oh, ouais, j'ai pas dû détruire la caisse. C'est moi qui a merdé, désolé. Ça fait quand même deux fois je meurs. Et voilà, j'ai pas dû détruire. J'aurais dû la laisser tranquillement la petite bête dans sa caisse.
On va les détourner par là, vu qu'on peut les détourner. Ouais, bah. Caméra, ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, ils vont te démonter. Merde, j'ai pas dû lancer le caillou. On peut détruire la caisse. Je peux pas monter plus haut, putain. Eh putain. Oh la chance. Je me soigne. Ah putain, casse-toi. Mais putain. Elle va pas me faire chier cette putain de bête à deux balles. Vas-y, explose, explose. Et puis elle va pas exploser. Je vois, parce que ça arrive, elle va pas nous faire, elle va nous faire du mal. C'est bon. Je l'ai tiré dans sa cage. Par contre, c'est mort, je la lâche pas comme ça. Désolé si je tue les animaux, mais là j'avais pas vraiment le choix. C'était ça où je me faisais dévorer par cette putain de bête. J'ai cassé un peu les cacahuètes. J'avais pas le choix, j'ai envie de vous dire, à la tuer. Il me seul que je me fasse le démonter. Voilà, déjà c'est un peu grand. Par contre, s'il y a des animaux comme ça dans la. En jeu, ça va être casse-couille. Tant qu'il me sort pas des loups ou des ours, tout va bien. Hey Jay, mon garçon, tu es occupé? Je ne te dérange pas, surtout. Fantastique, tu es d'une patience sans limite. Non, j'ai juste besoin de l'aide. Pour les raviolis au crabe, je sais que ce n'est pas du goût de tout le monde, mais tu seras heureux d'apprendre que j'ai fait pour passer le chef pour son incompétence. Bah. Où est sa famille qui a été massacrée? Enfin, quoi qu'il en soit, la putain, ça va être chiant, ça. Ce sera un cran au-dessus. C'est la dernière fois que j'enlève un animateur d'émission de cuisine. Alors. J'ai un peu merdé. C'est là où faut que je passe de l'autre côté. Ah, you. Voilà. Je cherche pas à comprendre. J'ai. Ah, mais putain, je passe comment? Gna. Comment tu veux que je passe là-haut? Je sais pas où il faut aller. Déjà, on a la carte. La carte, on voit qu'il donne. Est-ce qu'on peut couper des branches ou des arbres? Oh, c'est mal fait, ça a été drôle quand même. Par contre, j'aimerais bien savoir comment je fais pour monter là-haut. Tu penses qu'il faut sauter? Ça va être. Là-bas, sauter de là-bas, c'est. Ah non, c'est possible. C'est ça qu'il voulait faire en fait. Oh, genre, j'ai tiré dessus, il était mort. Faut pas dire le contraire. C'est juste que je l'ai tué, c'est normal. Oh, je crois qu'ils allaient m'attaquer. Voilà, je récupère, ça va servir de proie. Oh, c'est bien fait quand même, on voit rien. Donc ça va encore. En fait, c'est comme du Tomb Raider. Après, j'ai envie de dire, faut tuer l'animal, c'est pour ce. Ça sert d'appât, voilà. Bah ouais, mais tu veux que je monte comment là-haut? T'es drôle, toi. Ah bah enfin, tu me la donnes. Grimper. Descendre, monter. On voit que dalle, c'est dommage. C'est dommage qu'ils ont mis les vues comme ça. T'es arrivé jusqu'ici tout seul, impressionnant. Oh genre, je peux la découper. Merde.
Je pensais qu'on pouvait pas la tuer en fait. Eh ouais, je suis en blaireau. Vous allez me le dire dans les commentaires. Je pensais en fait qu'on pouvait pas la tuer. Et si on peut le tuer? C'est pas grave, je sais où aller, elle est là-bas, c'est pas loin. Faut j'arrête de faire les dieux un peu. Purée, quel couillon. Moi je pensais que vraiment qu'on pouvait pas la tuer. Bon, on va aller, de toute façon, rejoindre le clocher. Vas-y, on voit la corde, lui. Allez, on saute. D'accord, c'était pas. J'ai oublié d'appuyer sur RT pour monter. Allez, je monte vite quand même. Hein. Hop là, et le mec il redescend. On va pas le tuer. Moi aussi, allez, on va. Ouais, je m'en branle. Faut que je monte là-haut. Putain, c'est haut quand même. Il y en a une démarche. Eh genre, on est dans BO trop maintenant. Yo, on glisse. Ouais, il m'a fait peur le mec. Salut. Bah oui, tu crois quoi? Je sais pas quoi. Pourquoi est-ce que vous... Excusez-moi. Ça c'est cool, je récupère des munitions, mais j'aimerais bien savoir comment on fait pour monter en haut. Tu penses que ces militaires me cherchent encore? Quoi? Protéger le clocher. Ah putain. Ah, j'ai ski. Ah, même pas. Grenade. En fait, c'était pas une grenade, je voulais lancer, je crois. En fait, j'ai fait venir le tigre là, mais j'ai pas vu. Merde, 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 merde. Moi qui ai fait le con. Dépêche-toi, dépêche-toi. Bah ouais, non, mais c'est ma faute. C'est moi qui ai lancé la pote de l'avion. La pote de l'avion. La pote du. Des bêtes, et moi je crois que c'était une grenade, j'avais lancé. Ah, oh, mais j'ai du mal. Non, Far Cry. J'espère que le celui-là que j'ai, il va être mieux, premium. Ah voilà, bah là ça change tout déjà. Voilà, c'est ça, je voulais les grenades. Non, là. La grenade qui a explosé juste après, mais tout va bien. Là, je comprends pas, je voyais un cercle, je crois que c'était autre chose. Après, on sait pas d'où ils viennent non plus. Je les vois plus en fait. Là, les enfants, ils arrivent là-bas. Ouais, mais je suis tout le temps blessé au même endroit. En fait, on les voit pas, c'est sûr. C'est chiant. Déjà, j'adore quand tu vises, ça vise les mecs en fait. Déjà, il manque un, je l'ai vu. Tout du coup, il faudra récupérer les jet skis après. Une avalanche, lance-toi. Oh putain, il y a une avalanche. Sauto et sauto. Oh, je me prends le dedans. Oh putain. Ah ouais, on a fait les cons aussi. On a déclenché une avalanche. Une avalanche. Je vois pire. Qui c'est qui est allé mieux, les amis? Avalanche de merde. T'es vraiment increvable, mon frère. C'est préférable, non? Oui, t'as vu ça? Je peux pas crever en fait, c'est normal. Mission accomplie. Vous avez réussi. Je suis mort quand même trois fois.
Ça fait trois fois que je meurs. La honte. Première vidéo sur Far Cry, je meurs. Et ouais, la honte. La honte, la honte que j'ai. Je vous conseille de regarder cette vidéo pour entièrement. Non, je déconne. C'est parce que je suis mort de plusieurs fois. Par contre, c'est chiant parce qu'on peut pas changer les. On a vu l'hélicoptère passer plus loin. Il ne vient jamais aussi loin, je voulais savoir pourquoi. T'as de la chance. On était dans le coin quand on a reçu le message de Darpan. D'accord. Et j'ai rien voulu changer. Ah, je crois qu'il avait des cornes sur la tête. Avec son jeu, non. Bienvenue à Banapur. Foyer du sentier. À Banapur. Qui est-ce? Où est Darpan? Il s'en est pas sorti. Ils ont tous la même couleur de cheveux, quoi. Je te présentais Jegail, le fils de Mohan. Si je comprends bien, Darpan est mort, hein? Et tu me ramènes oui. Ça? Eh, hey, j'ai rien à voir dans toutes vos histoires, d'accord? Je veux juste aller à Lakshmana. On est au beau milieu d'une guerre civile. On n'a pas le temps d'aider les touristes. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je le laisse là-bas? Désolé, mon frère. Amita peut être susceptible. Non, non, c'est pas grave. Parler. Et pour Lakshmana. Ah, vas-y, va parler. On dirait le nom d'un temple ou d'un sanctuaire. Mais dans ce cas-là, ce serait le nord. Le nord est un territoire ennemi. On ne peut pas t'y emmener, pas encore. Sors, respire. Reviens me voir quand tu seras prêt. Ok, mec. Y'a pas de soucis. On va juste continuer un peu et après je vais arrêter parce que ça va être une vidéo trop longue. De toute façon, c'est des vidéos découvertes. C'est un peu normal. Là, je crois que c'était un humain tout à l'heure, mais non, c'est un singe. J'allais dire, oh putain, il y a même les humains, ils montent le tout. Appuie sur A. Oh, j'ai envie de te faire tomber. Il y a le A, elle est là, ou il y a le S. A ou S? A. Les deux, les gars. Oh, il va nous prendre à tirer à l'arc. D'après sa balle, moi, je veux bien. Pas faire ça. Je t'apprends simplement à te protéger. Ouh. Ah, le touriste. Je m'appelle Amita. Il n'y a pas un bouton pour passer les amis, là, c'est parce que c'est chiant de... C'est ça qui fait perdre du temps, en fait. Écoute, j'ai mal réagi tout à l'heure. C'est oui, c'est vrai. On perd des hommes tous les jours, on a du mal à s'en sortir. Est-ce que je peux faire quelque chose? C'est pas la raison. Je suis pas un soldat, mais je veux aider. Ok. Bon. Il y a une ferme pas loin d'ici. C'est celle de Kanan, mais elle est vieille et a besoin d'aide pour se protéger des animaux sauvages. Je veux que tu rapportes les pots intacts, alors prends ça. Badra. Mais enfin, applique-toi. Essaie encore. Très bien. Oh, en gros, c'est moi qui dois ramener des choses encore. Ils sont pas chers. Ils ont pas trouvé quelqu'un d'autre pour faire le pigeon? Pas possible. Hein. Les mecs, t'es constipé? Non, je déconne. J'adore vraiment le paysage, c'est vraiment magnifique. Bravo. Ah oui, quand même. Ouais, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Par contre, on va aller où? C'est pas par là. Oh non, mais du coup, il faut que je retourne là-bas au bout. Ouais, bah de la merde. On ira la prochaine fois, les amis. On va juste visiter parce que ça fait un peu loin aller jusqu'à là-bas, la ferme qui est là-bas. Où on voit tous. On va aller juste voir les trucs derrière. Hé. C'est quoi tout ça? Le marchand de légumes. Je veux bien savoir c'est. C'est ça, voilà, je voulais voir. Regardez ce que le vent amène. Ok, c'est pour les armes. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. T'achètes rien? Tu vends rien? Non, je te mets bon. Ah, si, mais si, je veux. Attends, j'ai des trucs à vendre. Pot de brise. Voilà, avec c'est bon. Cette guerre, t'as de la chance de pouvoir acheter ou vendre des choses. Ok, bon, bah voilà les amis, j'espère que cette première vidéo qui vous a plu. Désolé, c'était un peu trop long, je suis mort un peu bêtement. J'ai envie de vous dire.
un peu trop fort. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et on va essayer de rejoindre la ferme dans pas longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi-le dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite et ciao, bye bye, salut.